Les gars, je viens de faire une séance incroyable. Oh, j'ai fait une séance incroyable. Déjà, c'est mon septième jour d'entraînement. Enfin, non, c'est mon huitième jour d'entraînement consécutif. Là, je suis KO, là. J'ai même pas pu faire de machine. J'ai fait une séance vraiment en mode full cardio, tu vois. J'ai fait un peu de battle rope. J'ai couru un peu. J'ai fait du kettlebell swing, j'ai fait des pompes, j'ai fait des muscle up. C'était trop, franchement. Là, je suis KO, là. C'est bon. Demain, je fais rien. Demain, je reste dans le lit. Puis, demain, il me semble que j'ai mon colis My Protein qui arrive. Oh, je vais garder mon téléphone près de moi. Parce que demain, là, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi, demain je vais me réveiller, je vais devoir courir prendre mon colis. Et je serai KO, vraiment, vraiment KO. C'est trop. Là, je suis en train de créer ma salle de sport. Ouais. Parce que je vais créer une salle de sport. Et si tout se passe bien, je vais ouvrir une salle. Mais bon, ça demande un gros investissement, mais si tout se passe bien, et bon, on va faire les choses bien. Ok, et pour créer une salle de sport, faut un croquis. Là, je me suis basé sur, je sais pas si tu as les vidéos à Simone Panda. Tu vois, elle a fait une vidéo dans une salle avec un ring de boxe. Je vais faire la même salle, mais en mieux. Je vais faire le même concept parce que j'aime bien leur concept. Je vais faire pareil en mieux, en beaucoup mieux, tu vois. Mais là, je suis en train de faire ça sur Minecraft tranquillement. Je te ferai un croquis. Je te montrerai peut-être quand ce sera fini. Mais je suis pas un truc de ouf, hein, d'accord? Je suis plus pas un créateur fou. Mais au moins, ça me donne une idée de ce que je veux faire. Je vais faire ça bien. Je vais faire ça après. Je vais faire les programmes. Des programmes pour ceux qui font du sport. Tu vois? Pour ceux qui font un peu de foot, ceux qui font un peu de basket, ceux qui font du judo, ceux qui font du sport collectif ou individuel, mais qui veulent se muscler à la salle. D'accord? Je vais faire un programme pour ces personnes-là sur ma chaîne YouTube. Principal, ok, pour montrer un peu les séances que je suggère, les trucs que je fais, parce que moi mon but c'est d'être complet aussi, comme je fais des programmes sur ma chaîne secondaire avec moi, et j'aurai plein d'objectifs que je peux pas citer pour l'instant parce qu'il y a trop de choses à faire,
Mais faut que tu sois complet. Et pour être complet, je dois faire plusieurs programmes. Et comme je sais qu'il y a des sportifs qui me suivent, et ben voilà, je pourrais vous aider, vous aussi, à être complet. C'est important. Bon, je finis ça là, je finis mon avancement de mon croquis salle de sport. Je te montre ça plus tard, t'inquiète pas, je te montrerai ça. Je fais les programmes et je vais dormir parce que demain là, je dois me réveiller tôt pour mon colis. Bon, je suis parti chercher mon colis My Protein spécial vêtements. Faut que je l'ouvre là pour que je te montre ce que j'ai pris. C'est important, faut que je te montre ce que j'ai pris. Parce que là, on sera bien là. Cet hiver, normalement, on sera bien. Pour toutes les ouvertures de colis, il faut prendre les couteaux les plus longs. Les plus longs, c'est important. Hop, premier côté fait. Deuxième côté fait. Ah, voilà. On a plein de vêtements cool. Mais je vais te faire un haul. Ah, je vais te faire un haul, bien entendu. Ah, maintenant, on est des youtubeurs mode maintenant. Je vais te faire un haul cool. Mais ce qui est bien, c'est leur packaging, tu vois. Il y a un effort dans le packaging. Ça, c'est bien. Up in the spot like a spotlight. Hit the block like a hammer chasing knots. Like it'll disappear if I don't get my pockets right. You ain't gotta be a fan, my AC is nice. Let me do what I be doing, black. I ain't playing, I be on it, I get to it, black. Never stationary, bar stay in motion. They be like, hey, Sony, oh, you slick. Your middle name, lotion. Your middle name, potion. You be so focused. We be rooting for you, dog, so just go for it. Never let a hater quarterback, he won't throw it. And the bad thing is, I be wide open. But I'm straight, though. Slim, it's all good. It's all gravy, baby, I'ma still do it. If it ain't killed you yet, then you can live through it. You about as solid as a rock, but you still fluid. Sailing through the city with my crown up, sipping on that water till I drown, bruh, drown, bruh. Ain't no way they gonna hold me down, bruh, down, bruh. Ain't no way they gonna hold me down. Après tant d'années. Après tant de ruptures de stock, après tant de cet article n'est pas disponible, j'ai enfin ma veste d'entraîneur de foot. Enfin! Il y aura la Coupe du Monde, faut avoir sa veste d'entraîneur. C'est important, il faut l'avoir. Merci MyProtein, merci. Bon là, je suis en train de te monter le vlog là, tranquillement. Et j'ai vu que j'ai fait ma recette de pain perdu, parce que je voulais faire une vidéo à part. Mais le truc c'est que comme j'étais KO, il y avait plein de trucs à gérer, je pouvais pas gérer. Je vais te mettre la vidéo là, directement à la suite. Donc ça fera un vlog plus une recette. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Première recette que je partage avec toi sur la chaîne YouTube, où je te montre tout. Aujourd'hui, nous allons faire des pains perdus. Ok? Des pains perdus protéinés, caloriques, pas gras et qui remplissent bien. Ça, c'est une recette que j'aime bien faire, soit le matin au réveil avant la salle, soit l'après-midi en collation. Parce que c'est très rapide à faire, simple, efficace et c'est bon. Au niveau des ingrédients, c'est simple. Je vais prendre deux tranches de pain complet, un œuf, 15 centilitres de lait. Tu peux prendre du lait d'amande, du lait d'avoine, peu importe, mais 15 centilitres de lait, une scoop de flocons d'avoine My Protein et aussi optionnel parce que j'en ai et si tu en as, c'est très très bien, 2 cuillères de beurre de cacahuète en poudre. Ça, c'est important. C'est très important. Et bien entendu, si tu veux rendre ta recette très savoureuse, tu peux rajouter de l'arôme vanille et aussi de la cannelle. Ça, c'est le petit plus. C'est le petit côté d'âme, tu vois. C'est si tu veux égayer tes papilles, il faut que tu mettes ça en plus. C'est important. Ok, première des choses à faire. On casse l'œuf tranquillement. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis une cuillère dedans. Ça, c'est pour après. Hop. On casse l'œuf et on retire le truc blanc là, le truc qui sert à rien, le truc que tout le monde retire. Il faut le retirer, c'est important. Hop. Voilà. Je peux remuer tranquillement. Histoire d'être bien, histoire d'être tranquille. Deuxième chose à faire, tu prends tes watts de My Protein, flocons d'avoine en poudre. Tu mets une scoop.
Ok, une scoop de ça. On est bien, on est tranquille. Attends, ça m'en a mis partout en plus. Mais bon, c'est pas grave. Hop, tu prends ça, t'écrases un peu, ça fait des grumeaux. Et beurre de cacahuète en poudre. Tu mets 2 cuillères. Hop. Une et deux. Ok. Si t'aimes bien, mets des bonnes grosses cuillères. Parce que ça donne un bon goût. Hop. Tu mets ça là. Tu remues un peu tranquillement. Comme ça, tu vois un peu là ce que ça fait. Et à partir de là, dès que tu sens que ça fait un peu de pâte là avec l'œuf, parce que si tu remues là, ça attire la pâte à modeler, tu mets ton lait tranquillement. Hop. 15 centilitres de lait. Voilà. Et là, tu vois que ça sent déjà très très bon là. C'est incroyable. Tu remues. Au début, c'est un peu liquide, mais t'inquiète. Il y a des flocons d'avoine. Il y a du beurre de cacahuète. Ça va gonfler tranquillement. Et ça va bien se passer. Tu remues bien. Et je reviens vers toi quand j'ai la consistance qu'il faut. Ma préparation, elle est faite tranquillement. Là, je vais rajouter un tout petit peu de cannelle. Voilà, par contre, la cannelle, c'est subjectif, tu vois. Il y en a, ils aiment, il y en a, ils aiment pas. Il y en a, ils mettent beaucoup, il y en a, ils mettent pas beaucoup. Donc, pas de mesure, ça. Et le bouchon d'arôme vanille, ben, hop, je mets un tout petit peu un bouchon. Voilà. Et là, on remue. Et après, on est bon. Moi, tu vois, j'ai 2 recettes pour le pain perdu. Cette recette-là qui est assez liquide. Et notre recette où la pâte, elle est un peu plus compacte. Tu vois. Ça va dépendre de moi. Ça va dépendre de mon pain aussi. Quand mon pain, il est un peu rassis et tout, eh ben, je fais une recette liquide. Comme ça va bien rentrer dedans. Ça va bien imbiber. Ça va ramollir le pain. Et ça va être très, très bon. Et quand je vois que mon pain, il est frais et tout, j'aime bien faire une petite recette un peu plus épaisse pour avoir une couche. Tu vois, une petite couche dessus. Pour avoir une espèce de crêpe pain perdu en même temps, tu vois. Mais ça, je te réserve cette recette-là pour la recette cheat. Parce que j'ai la même recette, mais en cheat. Mais là, on est vraiment bien et je vais te la partager. Donc maintenant, comme je disais, tu mets hop ton pain dedans. Voilà, tu le recouvres bien. Hop. Comme c'est du pain complet, ce qui est bien, c'est que ça va bien absorber. N'hésite pas à appuyer un peu dedans. Tranquillement, tu laisses reposer. Et on va allumer la poêle et les faire cuire tranquillement. On va faire pareil avec l'autre. Bon, déduit que tu as déplacé la caméra, j'ai préféré le téléphone. D'accord? C'est mieux. Alors, je prends une poêle à crêpes. J'aime bien une grande poêle. J'allume le feu. Bon, c'était une plaque électrique, c'est pareil. D'accord? On va mettre un petit peu de beurre dedans. Et mettre ça là. Ah, ça va être bon. Par contre, je pense que je suis foiré sur un truc. C'est que j'ai dit qu'il fallait prendre 2 tranches de pain complet. Alors que là, il va nous en rester encore, tu vois. Donc c'est pas grave, on va en faire plein. Parce que le truc, c'est que c'est une recette que je fais de tête de base. Et quand faut juger en quantité, je sais pas juger en quantité. Du coup, j'ai fait une recette où vous en aurez plus que deux. Donc ça peut être bien aussi, tu vois. Comme ça, tu en auras deux, tu fais. Le reste, tu mets au frigo, tranquillement ou au congèle. Comme ça, tu en as encore. En fin de journée ou pour le lendemain, tu en as encore été bien. Et ça, c'est important. Alors j'ai mis un peu de beurre, j'ai pris un sopalin et j'ai étalé, tu vois, tranquillement sur toute la partie comme ça, je suis bien, c'est tranquille. Dès que ça chauffe un peu tranquillement, hop, je prends ça et je le mets dessus. N'empêche, c'est la première fois que je lance cette aussi liquide. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est terminé. Si ça ne marche pas, c'est fini. J'arrête les recettes. Fin. Terminé. Ouais, mais j'ai confiance en moi, je sais que ça va marcher. Je sais au fond de moi, ça va marcher, ça va le faire. D'ailleurs, si t'aimes bien les recettes, si tu veux beaucoup de recettes, ok? Eh ben, on va faire un truc. S'il y a 100 j'aime sur cette vidéo, avec des commentaires, ouais, les recettes et tout, je te fais 15 recettes. 15 recettes. Voilà ce que ça donne quand on le retourne. C'est très très bien, c'est très très bon. Par contre, faut le laisser cuire un peu plus longtemps. Je vais le retourner encore.
Parce que ici, là, on voit que, tu vois, c'est encore mouillé. Donc, on va laisser cuire tranquillement, mais ça va être bon. Regarde-moi ça, comment c'est incroyable. L'odeur, ça sent bon. Il nous en reste encore. On va faire ça bien. On va vraiment faire ça bien. Comme je l'ai dit, 100 likes, 15 recettes que je partage. Mais là, en full pro, d'accord? En full pro. Là, c'est une recette partagée à l'arrache. 100 likes, 15 recettes. En tout cas, c'est validé. J'en fais encore deux. Mais c'est validé. C'est good, c'est bon. Et sans mentir, hein, vu l'odeur et vu la consistance, je pense que c'est la meilleure recette que j'ai fait. Donc, les quantités, magnifiques. Première fois que je fais des quantités et tout, que je mesure, c'est bien. On garde cette recette-là, cette recette de Dams, elle est bien. Alors normalement, j'ai reçu un colis dans la boîte aux lettres. Normalement. Donc je vais voir si tout se passe bien, si c'est vrai ou pas. Alors, cette petite clé. Ouais. Quand je te dis qu'à chaque fois que je fais des vlogs, ou à chaque fois que je fais des vlogs, il y a trop de trucs qui se passent. On a ouvert un colis et là, il y a un autre colis qui est en arrivé. Je vais te dire ce que c'est, ça. En fait, ce que j'ai reçu, c'est lié à mon métier de vidéaste. Parce que ça m'arrive souvent de recevoir des colis de marques qui veulent des pubs pour les réseaux sociaux. Mais là, c'est la première fois qu'on me demande ça. C'est de faire des pubs où moi-même je parle, je suis acteur et je parle. De base, toutes les pubs que j'ai fait, c'est des pubs simplement produits, ok? Là, ça serait une pub où je serais à la fois acteur. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Et j'ai reçu ça de la part de Rez. Bon, je sais pas si ça se prononce Rez ou Riz, mais ça a l'air d'être bon, il y a des bons avis. Et j'ai hâte de bosser. Parce que c'est ça, c'est mon métier aussi, faire des vidéos. Pour les marques, faire des vidéos pour moi, faire des vidéos pour les autres, c'est ça, c'est mon job. Et tu vois, là, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de code DAMS, c'est pas MyProtein. Là, c'est un job, d'accord? C'est un job, ça veut dire que je vais me poser avec mon iPad, je vais devoir créer des scénarios, des phrases d'accroche, des trucs cool. Et puis voilà, parce que derrière, il y a un budget qui a été mis, tu vois, donc faut faire les choses bien, il faut qu'on travaille de manière professionnelle parce que c'est important. En plus là j'étais en train de faire ma salle de sport là sur Minecraft là. J'étais en train de créer ma salle de sport. Il faut que je la fasse. Il faut que je te la montre aussi. Il faut que je te montre la salle de sport que je vais faire. Donc là je vais devoir créer deux vidéos cool, deux vidéos tranquilles pour leur présenter, faire un petit test et voir où on part. Et puis voilà hein, les vidéos je vais les écrire. Là je vais à la salle ce soir. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, quel setup je vais mettre en place. Et de partager ça et de montrer un peu comment je travaille justement. Parce que, en fait, il faut que je te montre ça. C'est important. C'est un vlog où on parle de tout. On parle de muscles, mon taf, tout. Là, tu vois, ça, c'est l'espace où je fais mes montages et tout. C'est l'espace aussi de fond que tu vois dans mes vidéos YouTube. Donc, j'ai ces petites LED-là, là. Ces trucs-là, qui est très, très bien. J'ai acheté ça à 70 balles à Amazon. Franchement, ça fait le job en termes de lumière. Et j'ai mes grands néons que je mets normalement derrière, mes tubes LED, là. Là, ils sont en charge. Mais je vais faire un truc, parce que ça va être mon fond, justement. Et je vais faire un truc pour avoir un fond lumineux et joli. Donc, faut que je m'organise niveau lumière. J'ai d'autres petits tubes qui sont là. D'ailleurs, je vais devoir les charger. Cela là, par contre l'autonomie elle est pas ouf. Toujours de la marque Nanlite, j'aime pas on voit la marque mais c'est Nanlite. Mes petits tubes et mes grands tubes, c'est une très bonne marque, très très bonne marque. Quand tu fais de la vidéo et tout, c'est une très bonne marque. Donc je vais charger celui-là. J'en ai un autre aussi que je vais récupérer. Hop, voilà. Comme ça. On sera bon et quand on va leur faire leur vidéo, ça va bien se passer. Moi, ce que j'aime bien faire quand je bosse avec les marques, c'est que eux, ils demandent un truc comme ça, tu vois, mais moi, je leur donnais ça parce que c'est important, d'accord? Quand tu viens dans un secteur où tu as peu de chance avec le taf, où tu as vraiment pas eu de chance avec le taf et que tu deviens indépendant, que tu bosses avec les autres, mais avec tes conditions, avec tes projets, donne toujours ça. C'est important. Même si qu'on te demande ça, un petit truc, propose ça, d'accord? Propose ça, donne-leur ça. Comme ça,
Ça montre que tu es professionnel. Ça montre que tu sais ce que tu veux faire, ce que tu leur proposes. Et du coup, bah, ça peut proposer des belles choses par la suite. C'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça que je suis. Parce que c'est important. Bon, là, je viens de voir, on a 20 minutes de vlog. C'est bien, c'est bien, c'est une bonne durée, on est tranquille. Je vais te laisser ici, ok? Donc, mets un petit j'aime, mets un commentaire si t'as kiffé vlog, c'est important, d'accord? Pour la mise en avant de YouTube aussi, c'est important. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. N'oublie pas, 100 j'aime sur cette vidéo, ou des commentaires et tout sur les recettes. Je te fais 15 recettes, d'accord? J'ai qu'une parole, 15 recettes, sucré, salé, tout, je te partage tout, d'accord? En full pro là, parce que là, j'ai fait une recette en semi-pro, d'accord? Parce qu'en fait, je t'ai bien filmé, après j'ai pris mon téléphone, mais là, je te fais vraiment un truc correct, ok? Une playlist de recettes, tout, je te fais ça bien. Donc, moi, je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite. Peace.